إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous. Et que la paix soit sur vous. Comment rompre le jeûne? Vous voyez que l'islam n'a rien laissé au hasard. Il y a des réponses à tout. Quelle est la meilleure façon de rompre son jeûne et avec quelle nourriture? Et un hadith nous éclaire sur ce point. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن فتميرات فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء رواه الترمذي وأبو داود. Anas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avant de prier en mangeant des dattes fraîches. S'il n'y en avait pas, il rompait le jeûne avec quelques dattes sèches. Et s'il n'y avait pas quelques dattes sèches, il buvait quelques gorgées d'eau. Hadith rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud. Donc le mieux que l'on puisse faire, effectivement, c'est rompre son jeûne au moyen de dattes en consommant cet aliment, qu'elle soit fraîche ou bien sèche. Et si on ne trouve pas avec de l'eau, et médicalement on sait aujourd'hui que par rapport à celui qui a jeûné pendant toute une journée, la meilleure des consommations possibles d'un point de vue médical, c'est effectivement un aliment sucré, et ce que la date remplit, c'est sa fonction là, pendant cet instant précis, et permet au corps de se régénérer, de retrouver une certaine force, et c'est très très bien ainsi. Donc voilà une indication qui nous montre que les enseignements prophétique, eh bien, se conjugue toujours avec ce qui est sain et utile pour l'être humain. Jeûner, c'est un bien d'un point de vue médical, et rompre le jeûne de cette façon-là, c'est aussi un bien. En suivant la voie de notre prophète dans toutes ses dimensions, nous ne pouvons que progresser aussi bien matériellement que spirituellement sur toutes les voies du bien. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux-là. Wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.